Depuis 1960, le continent africain a reçu près de 2000 milliards US$ au titre de l'APD, aide pour le développement, soit en moyenne 35 milliards de dollars par an, et cela sans compter les aides privées et les importantes annulations de dettes dont on ne parle quasiment jamais. Les pays riches ont ainsi consenti à l'Afrique de considérables allègements de dettes qui s'élevaient à plus de 97 milliards de dollars en juillet 2009, et cela pour une dette totale de 324,7 milliards de dollars en 2010. En 40 ans et en dollars constants, l'APD à l'Afrique a plus que quintuplé, et entre 1960 et 2010, le continent a reçu près de 20 fois plus que l'Europe avec le plan Marshall. Or, cette aide au développement l'infantilise car elle la déresponsabilise tout en l'enfermant dans la dépendance, puisque les pays qui en sont devenus tributaires sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, l'APD représente ainsi plus de 10% du RNB, revenu national brut, de 28 pays et plus de 20% du RNB de 10 autres. Burundi, Érythrée, Guinée-Bissau, Libéria, Malawi, Rwanda, São Tomé et Principe. Sierra Leone. Depuis l'année 2000, le total de l'APD à l'Afrique ne cesse d'augmenter. 15,6 milliards de dollars en 2000, 16,8 en 2001, 21,8 en 2002, 27,3 en 2003, 29,7 en 2004, 35,5 en 2005, 43,5 en 2006, 39,1 en 2007 et 44 en 2008. L'UE, qui a versé 25 milliards d'euros en 2010, a prévu d'en donner 38 en 2015. Pour l'Afrique, le résultat de décennies d'APD est affligeant car la croissance y est insuffisante, le taux de chômage élevé et la pauvreté n'y a pas été jugulé. L'APD a échoué dans ses trois grands domaines qui sont ceux de la lutte contre la pauvreté, l'augmentation du PIB et celui de la résorption du chômage. L'aide n'a pas permis de juguler la pauvreté. En 1981, 11% des pauvres de la planète vivaient en Afrique subsaharienne. 30% en 2008, et selon la Banque mondiale, il faudrait un miracle pour que la situation change. Dans 29 pays africains dits PMA, pays les moins avancés, le pourcentage. Donc, dans 29 pays africains, le pourcentage de la population vivant avec moins de 2 dollars par jour est passé de 82% à la fin des années 1960 à plus de 87,5 aujourd'hui. Quant à ceux qui vivaient avec moins de 1 dollar par jour, il est passé pour les mêmes périodes de 55,8 à 64,9 compte tenu de l'effarante démographie africaine. Ces pourcentages représentent respectivement 89,6 millions et 235,5 millions de personnes. En 2008, la proportion de la population vivant avec moins de 1,25 dollars par jour était de 50%, soit en pourcentage autant que dans les années 80. En 2011, l'Afrique subsaharienne était en réalité plus pauvre qu'en 1960, puisque depuis les indépendances, le revenu par habitant y a baissé entre moins 0,5 et moins 1% par an. Dans son rapport de 2002, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, indiquait que l'Afrique subsaharienne s'était appauvrie de 5% par rapport à 1990, et cela en dépit de la manne du pétrole. Le premier objectif de l'OMD, qui était de réduire la misère de moitié d'ici 2015, est donc un échec. Les chances d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, notamment celui consistant à réduire la pauvreté de moitié en 2015, sont devenues de plus en plus réduites. Pour mémoire, les 8 OMD adoptés en 2000 avaient, avec pour objectif 2015, par 189 États, sont
réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous et promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies, assurer un environnement durable, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. L'aide n'a permis ni le décollage du PIB, ni celui du PNB. Depuis 1981, le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, le PIB ou produit intérieur brut, un produit intérieur brut mesure l'ensemble des flux de biens et services produits sans tenir compte des avoirs ou des investissements qu'un pays peut détenir à l'étranger. Quant au PIB brut par habitant, il calcule la valeur des biens et services déclarés qu'une personne produit par an. Le PNB ou produit national brut mesure la valeur totale des biens et des services produits. Depuis 1981, le PIB africain par habitant a diminué de 15%. Pour sa part, le taux de croissance moyen du PIB de tout le continent fut de 6,1% entre 2004 et 2007, de 4,9% en 2008, de 1,6% en 2009. En 2009, les pays exportateurs de pétrole ont eu une croissance de 2,5%, cependant que celle des autres pays n'était que de 0,5%. En 2008, le PIB global de tout le continent africain, AFN, Afrique du Nord et RSA, République sud-africaine, inclus. Donc, en 2008, le PIB global de tout le continent africain était de 1621 milliards de dollars, soit 2,62% du PIB mondial. Si nous retirons le PIB de l'Afrique du Sud, soit un peu plus de 300 milliards de dollars, le PIB de tout le continent africain, avec presque 1 milliard d'habitants, était alors d'un peu plus de 1 300 milliards de dollars, quand celui de la France, avec plus de 60 millions d'habitants, était deux fois supérieur, avec un peu plus de 2 500 milliards de dollars. Selon la CEA, Commission économique pour l'Afrique, ONU, au premier trimestre 2011, les prévisions pour 2010 étaient une croissance de 4,3%. Or, pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, il faudrait un taux de 7% et cela durant des années. Une croissance fortement positive, c'est-à-dire de plus de 6% durant plusieurs années, ne servirait qu'à combler un retard accumulé depuis plus de 20 ans. De plus, ces chiffres étant en dessous du taux de croissance de la population, le revenu par habitant va donc encore baisser et les Africains vont encore s'appauvrir. L'aide n'a pas permis de faire baisser le taux de chômage. Le chômage augmente d'abord en raison de l'accroissement de la population. Les demandeurs d'emploi étant année par année, année après année, de plus en plus nombreux. Or, la demande de main-d'œuvre a stagné. Le chômage des diplômés est particulièrement inquiétant pour la stabilité sociale régionale. En 2005-2006, il était de 27% chez les diplômés du secondaire et de 11% chez ceux de l'université. En plus d'être inutile, cette aide qui enferme l'Afrique dans la dépendance n'est pas éternelle. La crise économique a ainsi fait que certains donateurs ont réduit leur enveloppe et les autres, compte tenu du climat économique, doivent désormais tenir compte de leur opinion publique et adopter des contraintes budgétaires plus strictes. En 2009, l'Italie et l'Irlande ont ainsi annoncé que leur budget d'aide à l'Afrique serait respectivement réduit de 50 et de 22%.
Les Africains ne peuvent donc plus se comporter comme si, et pour l'éternité, ils allaient continuer à recevoir cette manne. Toute la politique d'aide doit donc être repensée afin de lui donner un objectif prioritaire qui est la création à court terme d'emplois. Aucun projet ne devrait ainsi plus être financé s'il ne prévoit pas de nombreuses créations d'emplois et tous les projets en cours devraient être revus afin que soient interrompus ou supprimés ceux qui ne sont pas créateurs d'emplois. Devraient donc être privilégiés ceux qui nécessitent de la main-d'œuvre comme les grands chantiers routiers ou les barrages et cela même au prix de déficit financier. Mais il faudra pour cela que les pays africains cessent de se plier aux diktats d'équilibre budgétaire imposés par le FMI et la Banque mondiale. La politique de scolarisation sera également à revoir en profondeur. À quoi bon, en effet, éduquer des générations entières pour, au bout du compte, fabriquer des déclassés, des aigris et des immigrés? Les technocrates de l'ONU se félicitent de constater qu'en Afrique subsaharienne, entre 2006 et 2007, le taux net de scolarisation dans le primaire est passé de 71 à 74% et de 91 à 96% en Afrique du Nord, et qu'en 2015, le taux pourrait être de 100%. Or, ces chiffres sont destructeurs du corps social africain en raison de l'inadéquation entre les résultats de la scolarisation puis de la formation universitaire et les besoins locaux.